ST produit des tags NFC qui sont programmables en lecture et en écriture et qui en plus peuvent contenir des datas de l'ordre de 64 kilobits. Donc par exemple, pour démontrer cette fonctionnalité, si je prends mon téléphone, alors c'est un Android et dessus j'ai activé la fonction NFC. Sur le panneau qui est là, si je le pose sur la demoiselle, voilà, ça m'a permis de transférer dans mon téléphone par NFC ses coordonnées, ainsi d'ailleurs qu'une photo pour montrer effectivement qu'il y a de la capacité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis ce type de tag au-dessous du panneau. Si je change de tag, je vais ici, là, automatiquement par NFC, je vais être envoyé sur le site du ST25, qui est le tag que l'on vous présente. Si je vais ici, là on va être envoyé sur le site SmartThings de ST Microélectronique. Bon, vous voyez, ça marche très bien. Là on a un partenaire qui développe des solutions pour le bâtiment. Et en fait, même chose, on peut mettre effectivement des informations à l'intérieur des blocs de béton. Si je prends mon téléphone et que je le mets sur le bloc de béton ici, on se trouve effectivement chez notre partenaire qui s'occupe d'immobilier, qui s'occupe de construction de maison et qui envisage de mettre des tags NFC à l'intérieur de son béton.